his hand. Ah, je vois, mais ça peut. Bonjour tout le monde, Daniel Bellevaux ici du Pilates et Plus avec ma merveilleuse fiancée Mélissa Pelletier du studio Viva Danse. Donc, on va encore être diffusé aujourd'hui sur la page de la Fondation de l'Hôpital de Saint-Eustache. C'est un super bel événement, je sais que j'en ai déjà parlé, donc on va en parler encore un petit peu. Dans le fond, eux autres ils ont décidé de commencer à faire un marathon virtuel, ça a commencé lundi dernier. Et puis, c'est 1 km par jour pendant 42 jours. Vous pouvez aller sur la page web de la Fondation de l'Hôpital de Saint-Eustache. Si vous aimeriez faire un don à notre équipe Pilates Plus, tous les dons vont à la Fondation de l'Hôpital. Sans plus tarder, on commence à faire un peu de Pilates. Je pense que ça serait une bonne idée. Je vais me reculer comme ça, vous me voyez la tête, je vais venir sur le tapis, je vais me coller sur Mélissa pour qu'elle m'aide avec mon équilibre. Donc, on va juste lever une jambe pour commencer. Pouce dans ton pied. Wow! Tu es toujours meilleur que moi en équilibre. Parce que moi, je niaise beaucoup puis elle est full sérieuse. Moi, être sérieux, pas de tête. Wow! Tu change de jambe, on t'a dû. On t'a dû de changer de jambe, c'est tout ça. Je savais que ça s'en venait. Ah. J'espère que tout le monde va bien. C'est un samedi matin un peu plus gris, mais je sais qu'on va trouver un petit temps pour aller marcher dehors quand même aujourd'hui. Mais non, c'est quand même pas très beau en fin de semaine, mais... Ça donne le temps de faire des choses dans la maison. C'est toujours une bonne chose. On va changer de jambe encore. Puis maintenant, je veux que vous essayez de fermer les yeux, s'il vous plaît. Ah, Mélissa a tombé, pas moi. Et on change de jambe. Et relâche doucement. Donc, amenez les jambes parallèles. Le bassin, je veux qu'il reste stable. On transfère le poids sur la jambe gauche. Et maintenant, ici, on va juste bouger notre fémur. Donc, amène ton pied en avant, va en rotation interne, garde ton bassin stable. Tu peux aller porter ton pied au sol. Et ensuite, on va aller en arrière en rotation externe. Je veux pas que le bassin il bouge. Bassin stable, donc devant. Sens vraiment la tête de ton fémur. Ton fémur, c'est l'os de ta cuisse. Je veux vraiment que tu sentes que ça tourne à l'intérieur de l'articulation de ta hanche. Devant. C'est un super bon petit réchauffement, ça. Je l'aime quand même. Ça fait du bien, hein? On le sent. Ouais? Ouais. Good. Respire, souris. On est vraiment pas centré. On est mieux centré, là. Et l'autre jambe. Donc, transfère le poids sur ton autre jambe. Rotation interne devant. Ton bassin bouge pas. Si tu veux, mets tes mains sur ton bassin. Ouh. Et vers l'arrière. Devant. Derrière. Devant. Derrière. Souris. Mm-hmm. Faut essayer d'être aussi drôle que Grace et Dan. Ça arrivera jamais, là. Mais on s'essaye quand même. Hein? Et relâche. On se transfère sur l'autre jambe, puis on va juste faire des cercles vers l'avant. Puis on va alterner de jambes. Et on alterne. Juste, tu sais, lève ton genou. Pense de te donner un coup de genou dans l'air. Tau. Tau. On est en même temps, là? Ouais. Faut être en même temps, ça. Mais, Mélissa, il faut qu'elle soit en même temps que moi. Et on va aller de l'autre direction, donc. Et oh! Et oh, ça fait du bien aux hanches, ça. C'est un bon petit workout, là. C'est un bon petit warm-up. Je pointe mes pieds. Ouais, pas moi. Un dernier. Et relâche. Je pense que là, on est prêt pour faire quelques squats. Donc, pieds parallèles. Et on squat. Et on remonte. Tu comptes? Deux. On a beaucoup de plaisir. J'espère que vous avez autant de plaisir que nous en le faisant. On est rendu à combien, par exemple? Cinq. Cinq, OK. T'es pas obligé de crier chaque côté de toi, hein? Et pouce. Et pouce. Combien? Cinq. Cinq encore? Dix. Alors, rotation externe. Et on va descendre, on devrait être capable d'aller un petit peu plus bas. Ce que je veux vous assurer en rotation externe, c'est que les genoux, ils suivent les orteils. Je veux pas que les genoux viennent vers l'intérieur. Pousse les genoux vers l'extérieur, squat.
Remonte. Squeeze tes fesses en remontant. Squat. Remonte. Squat. Remonte. Combien? 4. Tu as vu? 4, hein? J'étais bon, hein? Oh! Bon samedi matin! 8? 2 autres! 1 autre! Et relâche, jette les jambes, jette les jambes, jette les jambes. On va venir assis. Donc, assis. Pied au sol. On va faire des C-curves. Donc, nos C-curves, c'est une bascule du bassin. On s'en va travailler dans notre transverse, dans les abdominaux du bas. Donc, expire, descend dans ton C, rentre le bas du ventre. Coccyx pointe vers l'avant et active les abdominaux pour remonter. Et lève. Notre studio réouvre le 6 juillet. On est très, très excités. Nous sommes en train de tout préparer ça pour vous. L'horaire est en fichier PDF sur notre site web, pilatesetplus.ca. Puis bien sûr, on a toujours notre plateforme en ligne qui va toujours être là et qui va continuer. pilatesplusonline.com. Petite annonce. Ah oui? Tu veux, on peut s'amuser en même temps qu'on s'entraîne. Ça travaille les abdominaux, même si je vous jase. Mais elle est juste beaucoup plus élégante que moi quand on le fait. 8. 9. 9. Dième, on descend, mais on reste en bas. Ouvre ton bras droit. Fais des cercles avec ton bras. Il va pour 5, 4, 3, 2, 1. Reste là, va de l'autre direction avec le cercle. 5, 4. Travaille dans ton oblique. 3, 2 et 1. Et revenez bien grand. Redescends dans ton C. Ouvre le bras gauche. 5, 4, 3, 2, 1. On va de l'autre direction. 5, 4, 3, 2. Je la tape à toutes les fois. 1. Et revenez bien grand. Ha! Ça fait du bien, ça? Ouais. Ouais, on se couche dessus? Ouais, Nala est apparue. Oh, Nala est là. Nala, elle voulait faire une apparition ce matin. Donc, les pieds parallèles, on va faire des hip rolls. Donc, la tête au sol, bascule ton bassin, part du coccyx, décolle une vertèbre à la fois, enlevant le bassin vers le ciel, et redescend, ramène les côtes ensemble, pousse ta colonne dans le sol, reviens avec un beau dos neutre, et on bascule le bassin, lève, 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 et on ramène les côtes ensemble, descend, 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 et on lève. Et on descend. Et on lève. S'il y en a qui veulent, vous pouvez allonger les bras vers le ciel. Hein? Ça rajoute un petit quelque chose. Et on lève. 5. 5? Ouais. Fait juste 5 pour faire? Ouais. Et on c'est correct, 5 et pro, c'est bien. Garde les bras vers le ciel, ou s'ils ne sont pas là, allonge tes bras vers le ciel. On va aller prendre des petits arcs de bras. Doucement, amène les bras. Par le cercle. J'ai dit doucement, hein? On y va lentement, lentement, lentement. Et reviens. Gardez l'épaule basse. Garde les côtes ensemble. Et reviens. Et là. Et reviens. Un dernier, j'ai pas compté, mais c'est pas grave. 6, c'est bon, c'est un beau chiffre, 6. Et relâche. Amenez les mains derrière la tête, c'est le temps de faire des obliques. Le bas du dos en un, expire, croise la côte, va vers la hanche opposée et reviens. Et on alterne. Et croise. Expire. Expire. Et lève. Et lève. Et lève. Expire. Expire. Tu comptes-tu?
Ça, on va jusqu'à 8, là, au moins, c'est des obliques. Ça fait du bien de faire des obliques, je trouve. Êtes-vous d'accord? Moi, je pense que oui. Et relâche doucement, dépasse la tête. On va faire un petit hip release, donc relâchement de la hanche. Ce qui est important ici, c'est que ta jambe qui reste là, elle bouge pas. Ton bassin reste stable, ton dos reste en neutre. Donc ton genou droit, laisse ton genou droit aller vers l'extérieur avec contrôle. Ton pied reste sur le tapis, t'allonges ta jambe, glisse le pied contre ton tapis, ramène ta jambe parallèle une fois qu'elle est allongée et plie ton genou, ramène ton pied vers ton bassin. Même jambe, même côté. Donc jambe droite vers l'extérieur, le genou, bassin stable, transverse travail, glisse le pied sur le tapis, ramène ta jambe parallèle et plie ton genou. Un autre. Pense de contrôler avec tes abdominaux ici. Il y a quand même une connexion qui se passe dans le relâchement de la hanche et ton transverse. Et reviens. Même jambe, mais de l'autre direction. Donc, pousse ton pied contre le tapis, allonge ta jambe, tourne en rotation externe, ramène ton pied, le genou est vers l'extérieur en pliant le genou, et de là, ramène ton genou. Et glisse. Faites bien ça, là, je trouve. Faites bien, hein? Oui. Hein, ça fait du bien, on sent bien l'activation des abdominaux quand on revient. Oui. Puis ça, il me fait du bien à la hanche, celle-là. Surtout ma hanche droite, t'as même pas beaucoup, celle-là. Un dernier. Oh. Ramène ton genou. Ton bassin est stable, le transverse contrôle. Ramène le genou. Maintenant, la jambe gauche. Laisse ton genou gauche tomber vers l'extérieur. Glisse ton pied. Allonge ta jambe. Ramène la jambe parallèle. Plie le genou. Et transverse et active. Ton bassin ne bouge pas. Genou vers l'extérieur. Allonge ta jambe. Ramène ta jambe parallèle. Plie ton genou. Jambe gauche. Genou vers l'extérieur. Active les abdominaux. Allonge ta jambe. Reviens parallèle. Plie ton genou. L'autre direction maintenant. Donc ta jambe, elle allonge. Regarde la parallèle. Allonge, allonge, allonge. Vers rotation externe. Ramène ton pied, plie ton genou vers l'extérieur. Ramène ton genou. Et allonge. Rotation externe. Et reviens. Et allonge. Je dis comment ça fait du bien cet exercice-là. Oh. Et reviens. Et puis. Ah! La même jambe en tablette. L'autre jambe en tablette. Plaque ton dos, lève la tête, les épaules, single leg stretch, une jambe qui allonge, l'autre qui plie. Une jambe? Une jambe? Une jambe qui allonge? J'ai pu parler un matin. Correct. Tu comptes-tu? 5. 5. 6. 6, on compte tous ensemble. 7. 7. 8. 8. Et 8. Et dépose la tête. Ah, criss-cross. Main derrière la tête. Jambe en tablette et on croise. 1. Et 1. 2. Et 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. Et 8. Et dépose. Ouh. Ça devient ça? Ouais! Ok, on s'en vient. Quadrupède. Bon. Un peu, je vais rattacher mes cheveux. Ce sont des faits. J'espère que tout le monde va bien. Quadrupède. Donc, protraction, rétraction pour commencer. Ok? Donc, rapproche les omoplates et c'est parti. Garde tes coudes allongés, plie pas tes coudes. Les bras restent allongés. Squeeze les omoplates une barre là. Et c'est parti. Donc, on sent le rhomboïde qui travaille pour ramener les omoplates ensemble. Squeeze. Et pousse. Et squeeze. Et pousse. Squeeze. Et pousse. Ça, j'ai pas compris. Squeeze. On va y aller deux autres fois. Ça fait 8 exercices. Hein? Un autre. Et maintenant, stabilise, active les abdominaux. Bird dog, allonge vos jambes opposées. Reach, reach, reach.
échange. T'assures ici de pas juste, tu sais, là, si tu vas juste allonger puis tu penses à rien, il n'y a rien qui se passe ici. Échange. Il faut vraiment penser, donc, vers la colonne, en allongeant ta jambe, ton bassin reste stable, ton bras allonge, la colonne allongée, la nuque allongée, et on change. Il y a une connexion qui se passe au niveau abdominal. Et ramène les mains au sol. On vient juste la jambe. Ici, je veux ton bassin reste stable. Puis pense de lever la jambe sur le côté. C'est quand même un petit chien, là, en fait, là, ici. Là. C'est quand même pas la plus élégante. Mais je veux vraiment qu'on s'assure que si je me mets face à vous, puis vous regardez mon bassin, que je m'en vais pas sur le côté. Je reste vraiment stable en levant ma jambe. Combien? On s'en va jusqu'à 10. Donc oui, les bras aussi travaillent fort. Si c'est trop pour les poignets, vous pouvez prendre une petite pause. Un autre. Puis l'autre jambe. Oh tiens, on va prendre un petit shell stretch, prendre une petite pause pour les poignets. Je pense que si on est dû, hein, une petite pause pour les poignets, ça va faire du bien. Roule tes poignets. Une direction. L'autre direction. Tu vas amener le front au sol. Et on retourne. Donc ici, l'autre jambe. Donc lève. Squeeze ta fesse en levant ta jambe. Active tes abdominaux pour stabiliser ton bassin. Combien? 7. 8. 9. Un autre. Et voilà. Chasse sur. Et on va revenir à genoux. Pour être chaque côté. Si vous avez mal au genou, vous pouvez prendre un petit coussin. Mais en prenant une petite couverture ou quelque chose, allez la chercher vite, vite, vite. On va faire notre double thigh stretch. Donc, si penture est dans les genoux, ok, les abdominaux sont actifs, fessiers actifs, les cuisses sont en feu. On inspire, on incline vers l'arrière et expire. Inspire. Allez là où vous pouvez vous rendre. Okay, c'est pas grave comme en bas qu'on va. Ce qui compte, c'est de contrôler. Si ça fait trop mal aux genoux, skip-les. Okay? Va en shell stretch, va en planche, ça te tente. Une planche, c'est une bonne variation. Pas faire celle-là. T'en penses? Ouais. 5. 3 autres fois. Un autre, right? Et maintenant, on s'en revient dans la planche tout le monde. Sur les avant-bras, sur les genoux ou sur les orteils, c'est votre choix. Et go! Respirez. On a les effets sonores ici. Tu peux le faire avec moi? Tout, tout. C'est le fun. Et relâche doucement, juste coucher sur l'avant ou un petit chest stretch. Votre choix. Ok, repose. On y retourne après. Et on retourne. Go! Hop! Respire. Attention ici, on a souvent tendance qu'on laisse la tête tomber. La nuque est allongée, le regard est au sol devant le tapis. Sans nécessairement avoir la tête levée non plus. C'est vraiment l'exercice le plus complet, la planche. J'adore la planche. Moi j'aime bien ça. Et alors, chasse catch tout le monde. Oh. On va revenir quadrupède pour faire des respirations du chat, donc extension et flexion.
Donc, quadrupède sur l'inspiration, coccyx vers le ciel, ouvre la poitrine, tire les épaules vers l'arrière, en expirant, rentre le coccyx, arrondis le dos, rentre le ventre. Pensez que le mouvement initie toujours de votre coccyx, donc, coccyx une vertèbre à la fois, creuse, 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 lève, 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 et l'inverse, donc, rentre le coccyx, arrondis une vertèbre à la fois. Et on creuse. Inspire. Expire. Un autre. Et relâche. Ha! On va s'installer couché sur le côté. Petite jambe sur le côté. Petite série de jambes sur le côté, excuse. Tout le temps, ça fait juste rire de moi de toujours mieux ça. Les deux jambes allongées, lève tes deux jambes collées et on descend. Les abdominaux ils travaillent quand même ici, ok? Transverse travaille fort, lève. Vous avez le droit d'amener votre main devant vous pour vous aider à stabiliser. Mais assurez-vous d'activer le transverse aussi. Le dixième, on lève, reste levé, puis un petit swimming ici, pique les jambes, devant arrière, un petit battement, active ton transverse, respire, contrôle le mouvement, beep, 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 et relâche tout ça. Plie ton genou du haut devant toi. Si tu as mis le pied au sol avec ton genou vers les airs, si ça fonctionne, ça va, ou tu fais juste amener ton genou au sol. Ta jambe du bas est allongée. Flex ton pied, pousse le talon le plus loin possible et lève ta jambe. Pense à ton intérieur de cuisse qui lève. Et lève. Expire. Expire. Et lève. Et lève. Et lève. Ah. 10, reste levé. Des petits cercles vers l'avant. 10. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vers l'arrière, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et relâche. Genoux pliés ou jambes allongées, votre choix, on vient sur notre coude, planche sur le côté, et lève. On est là pour un 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et redépose. Plie les deux genoux, amène les deux bras devant, rotation de la colonne, la tête au sol, glisse, la main contre ton bras tourne et allonge ton bras. Active tes obliques pour te ramener. J'aime ça que ma main du haut elle glisse contre mon bras. Je trouve que, comme ça, c'est sûr que vous initiez avec la colonne et non avec l'épaule. Quand on fait de la torsion. Mais on twist. Et reviens. Deux autres fois. Twist. Et reviens. Un autre fois. Et revenez. Ah. Très bien tout le monde. Nous allons changer de côté. Donc, les deux jambes allongées. Tes deux jambes lèvent ensemble. Et expire, lève tes deux jambes. Et relâche. Expire. Expire. Et lève. Combien? Okay.
Deux autres fois. Un dernier. On reste, oui, on reste. Swimming. B, à l'arrière. B, B. Active ton transverse. Penche le nombril vers ta colonne. Respire. Bas tes jambes. B, 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 B. Et relâche doucement. Ta jambe du haut, ton genou plié ou ton pied au sol. Ta jambe du bas. Allonge ta jambe. Flex ton pied. Élève. Élève. Pense à l'initi. De l'intérieur de la cuisse, ton talon, il va loin, loin, loin. Élève. 5. 6. 7. Contrôle le mouvement. 8. 9. 10. On reste levé, le cercle vers l'avant. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Vers l'arrière pour 10. 9. 8. 7. 6. 5, 4, 3, 2, 1, et relâche. Ouh, on le sent dans l'intérieur de cuisse. Au planche. Planche sur le côté, excuse, j'ai eu un petit blanc de mémoire, là, je t'ai rendu où. T'es deux, tu fais la même variation, hein, tes jambes allongées ou les genoux pliés, c'est ton choix. Pousse dans ton bras, supporte ton épaule, et lève. Respire ici, on est là pour un bon 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et redescends. Allonge tes deux bras devant, plie tes genoux, rotation de la colonne, dépose la tête au sol, ou si c'est un coussin, mets un coussin, et ouvre. Active les abdominaux, et referme. Et ouvre. Et ferme. Ouvre. Ouh, un petit crack, hein? T'as entendu? Ouais, ça fait du bien. Quatre, ça? Il en reste deux. Un dernier. Et repoussez-vous assis. On va amener la plante des pieds collés, les genoux vers l'extérieur. Je suis avec mon petit stretch ici. Ah, ça fait du bien, ça. Ça fait du bien, ça. La colonne bien allongée. Rentre le menton. Arrondis le dos. Va porter le front vers les gros orteils. Inspire, déroulez une vertèbre à la fois. Amenez les mains derrière. Tire les épaules vers l'arrière. Ouvre la poitrine vers le ciel. Et relâche. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup tout le monde d'être parmi nous. Je vous souhaite une merveilleuse fin de semaine. Vous avez de la méditation et Grace demain. Bye!